Bon voilà, donc la boîte est à peu près faite. C'est du solide. Donc roulement en bas qui va me permettre, roulement en haut ici, voilà, qui va me permettre de mettre mon axe traversant où je vais pouvoir récupérer donc la rotation, qui va aussi limiter l'amplitude. Donc là le cardan est bien en place. Voilà, donc ça va pouvoir jouer. L'équilibre est correct. Il manque les courroies. Les courroies vont bientôt arriver là. J'en ai là, mais elles sont trop grandes. Il faut que j'ai commandé des courroies un petit peu plus petites, de manière à avoir un système d'ajustement qui soit moins important. Donc voilà. Donc il faudra que je monte cette tige là. Il va falloir que je la coupe. C'est toujours une partie de plaisir de couper un diamètre de 20 mm. C'est toujours sympathique en acier. Donc voilà. Et une fois que j'aurai défini ma longueur précise, je vais faire mes accouplements en bas. Il va falloir que je trouve un truc qui puisse tourner comme ça. Donc voilà, il y a encore pas mal de boulot. Mais on avance.